Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va sortir de notre zone de confort. On va pêcher la truite avec des cannes à mouches. Donc le propriétaire de cet étang nous a laissé à disposition donc ce magnifique étang. Il y a apparemment de la truite arc-en-ciel. On va essayer de valider ces truites avec des petites mouches. Donc on va changer. Moi je commence avec celle-ci. Ethan, toi t'as mis celle-ci, une différente. Là on verra laquelle marche le mieux et puis on s'adaptera. Ça risque d'être un peu compliqué avec le vent, mais on va s'adapter dans tous les cas. Bonne vidéo à tous. Il y en a une qui a sauté là-bas. Yes, poisson. Oh yes. Oh, oh la belle chandelle. Oh, 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 oh. Let's go. Oh magnifique avec la petite mousse là, ça fait plaisir. Oh, les combats de Samy mec. Oui. C'est incroyable. Encore une chandelle. Non. Oh, elle a fermé le filet. Garde bien l'attention. Ici, ramène. Ah, elle est belle, elle a des belles couleurs. Elle veut pas lire, elle veut pas passer là où elle est. Oh, donc là, monsieur. Oh, elle est magnifique. Oh la magnifique truite. C'est pas vrai. Et en fait j'ai pas ferré. Voilà. Go. Je vais choper la bombe. Ok. Donc là, on fait les sections des mouches. Là, on a plusieurs différentes. Moi, je vais partir sur celle-ci. Donc, un peu jaune avec une petite boule dorée à l'avant. Comme ça va faire du bruit quand ça va tomber dans l'eau. Et moi, celle-ci, plusieurs. On a pas mal de différentes, on pourra tester ça pour s'amuser. Je sais pas si ça va marcher, si on des comme ça, et Kexine dans cette petite boîte. On verra ce que ça donne. En tout cas, on a le choix. Ouais. Ouais. Wouah. Oh le. T'en avais une à ramener ? Il y en avait une qui était déjà fermée. Je veux dire si je t'en fous. Plutôt t'en fous, moi je ne sais pas. Bon bah bien joué. J'avais dit là. Celle-ci est un peu plus grosse en plus, j'ai l'impression. Oui. J'ai dit là, j'ai fait un beau lancer. Belle
canne qui plie en deux là. Bon, celle-ci est un peu plus belle. Oh, la chandelle. Donc là, on va essayer de l'épuisetter sans trop la blesser. Oh, l'action de canne, quoi. Ici. Encore une chandelle. Oh, combat que ça fait, quoi. Et je te dis, tu m'as appelé, il y en avait une juste derrière. Juste derrière, quand j'ai ramené vite, il y en avait une qui était juste derrière, quoi. Oh, c'est incroyable. Oh, attends, parce que là... On dirait pas parce que c'est pas des poissons énormes. Enfin, c'est quand même des poissons qui font déjà presque 40. Oh, le petit vache là. Mais bon, ça fait des combats de baiser quoi. C'est incroyable. Hop là. Tiens. Oh, celle-ci est plus grosse que l'autre. Piqué juste sur le bord. Ouais, magnifique. Petite mouche orange. Ouais. En plus, c'est des petites truites arc-en-ciel, mais elles ont quand même des belles nageoires, elles sont en pleine forme. Voilà, ici en dehors de l'eau. Attends, je vais lâcher comme ça, parce que c'est compliqué. Voilà. Oui. Les ouïes un peu abîmées de l'autre côté. Ouais. C'est le riz. Attends, on a de l'eau qui vole, ça change la décroche. Ah bah c'est des petits chemins qui volent. Ah il y a des petits chemins qui saute là depuis tout à l'heure. Ouais. Okay. Là. Bien joué. C'est quoi le poisson? Alors, je l'ai pris sur une pause. Ouais, si tu veux. On a oublié l'épisode de l'autre côté du lac donc. Je vais prendre des enfants. Mais... Vas-y. C'est cool, on a quand même fait pas mal aujourd'hui. Ouais.
Ah, des crocs, putain. Partir ou pas là? Oh. Oh, le pauvre. En fait, t'as pas pris l'attention pour moi. Je j'emballe ma canne. C'est un peu plus petite. Oh, c'est des crochets dans les puisettes. Ah ouais. Super, bon, magnifique. On va la... bah, du coup, on va la relâcher tout de suite. Hein. Elle se décroche, parfait. Voilà, elle s'est décrochée dans les puisettes. Donc, une magnifique. Elles sont vraiment, vraiment belles. Oh bon. Elle est encore là. Un peu là, elle est repartie. Super. Wow. Je sais pas si t'as vu l'action là, mais quoi, elle est montée dessus. Bah moi je fais ça plus. Azé. Tu veux pas juste la mettre dans l'épuisette? Quoi? Tu veux pas juste la mettre dans l'épuisette? Celle-ci elle est plus petite un peu. Ouais. Carré, merci. Voilà. La mouche est encore piquée au bord. Magnifique poisson. Let's go, elle est repartie. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire. Donc en tout cas, nous, on s'est bien éclaté. On a réussi à valider pas mal de poissons. Elles faisaient tous à peu près la même taille, mais ça fait vraiment des combats de ouf sur les cannes à truites. Donc on s'est vraiment éclaté, c'était cool. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.